Bonjour Charles. Bonjour. Je rappelle que vous êtes directeur de la publication de Charlie Hebdo, dont la nouvelle version fête ses 20 ans. Alors après 10 ans d'absence, Charlie Hebdo effectivement reparaissait en 1992. Il y a, j'imagine, évidemment des moments forts que vous retenez particulièrement, vous qui êtes arrivé en 1992, j'allais dire avec la nouvelle équipe. Oui, c'est sûr, oui. Mais c'est les moments dont je me souviens le plus et qui sont les plus marquants pour moi, sont pas forcément les plus marquants pour les médias. Évidemment, on se souvient de Charlie Hebdo à travers les procès qu'on nous a fait autour des couvertures sur Mahomet ou les caricatures de Mahomet. Enfin, ça tourne beaucoup autour de Mahomet médiatiquement, mais ce dont je me souviens et ce qui m'a le plus marqué, moi, c'est les premiers procès qu'on a eu avec Charlie, qui était, je crois, un procès avec des anciens combattants. Et on a dû aller au tribunal un dimanche. L'avocat a dû aller pour plaider un dimanche au tribunal en urgence parce qu'on avait demandé la saisie du journal. Et c'était assez amusant. Donc je découvrais comme ça le monde de la presse. Et il y en a eu d'autres depuis des procès. Il y en a eu un paquet de procès. Oui. Enfin, l'essentiel de nos procès, on les doit essentiellement à l'extrême droite catholique qui nous a fait, je crois, en 20 ans 14 procès. Et puis quelques autres énervés, mais c'est vraiment l'extrême droite catholique qui nous préfère. Comment se passe une conférence de rédaction de Charlie Hebdo ? Eh bien, écoutez, tous ceux qui sont libres ce jour-là sont invités à venir, c'est le mercredi matin, et on essaye de faire le point déjà sur l'actualité passée, mais aussi de la semaine qui vient, c'est-à-dire qu'on se réunit le mercredi pour décider ce qu'il y aura dans le journal le mercredi suivant. Donc il y a des aménagements en cours de semaine parce que l'actualité bouge un peu, mais en gros on se répartit un peu les espaces entre les rédacteurs, les dessinateurs, et c'est là où on est moyennement un vrai journal dans le sens où les rédacteurs et les dessinateurs font un peu ce qu'ils veulent. C'est-à-dire que ça sera embêtant qu'il y ait deux dessinateurs qui fassent le même sujet, mais en gros s'il y a un gros sujet d'actualité qui n'est pas traité, c'est pas si grave que ça non plus. Est-ce qu'il est aujourd'hui plus facile de faire Charlie Hebdo que pendant les premières années, dans les années 70, il y a 20 ans ? Je pense que oui. Je crois que tout le monde dit qu'on avait beaucoup plus de liberté d'expression dans les années 70. Il y a des choses qu'on pouvait dire dans les années 70 qu'on ne peut plus dire aujourd'hui. Je crois que c'est pas vrai. Je crois que dans les années 70, il faut se rappeler que Charlie Hebdo est né de l'interdiction de Harakiri en 1970. Et la censure n'était pas une censure. C'est pas que Charlie Hebdo, enfin que Harakiri avait perdu un procès en justice. C'est le ministre de l'information qui a interdit Charlie Hebdo. Donc il y avait une censure d'État à l'époque qui n'existe absolument plus aujourd'hui. Et aujourd'hui, on peut effectivement se retrouver devant un tribunal parce qu'on a dit quelque chose qui a déplu. Mais les tribunaux reconnaissent à Charlie Hebdo le droit à la satire. Il y a une tradition qui est en France quand même qui est bien implantée et dont la justice tient compte. Donc il y a beaucoup plus de liberté d'expression, je pense, aujourd'hui. Ce que je déplore, c'est qu'il y a beaucoup plus d'autocensure de la part des journalistes. Donc paradoxalement, les lois nous sont plutôt favorables et bizarrement les journalistes ne se servent pas de cette liberté qu'on a tous, quoi. Alors si on commence, je vous cite, hein, si l'on commence à céder sur un détail, c'en est fini de la liberté d'expression. Ma seule limite, ma responsabilité, c'est la loi française. Oui, mais je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il y a dans la loi française, mais il faut qu'on se mette d'accord sur un minimum. Et nous, à Charlie Hebdo, et en tout cas moi en tant que directeur de publication, j'estime que la limite qu'on doit éviter de dépasser, c'est la loi française. Après, effectivement, de temps en temps, on a des procès. Et le résultat du procès fait qu'il y a une jurisprudence Charlie Hebdo, et la loi du coup est modifiée grâce à la prise de risque de Charlie Hebdo. Ça, mais bon, on le fait pas pour ça, enfin on n'enfreint pas la loi de temps en temps pour ça, mais si ça sert à ça de temps en temps, c'est bien aussi. Mais quand on nous dit vous considérez qu'il n'y a pas de limite dans la liberté d'expression, de fait il y en a, et c'est la loi française, point. Et encore une fois, je dis la loi française parce que on voudrait de temps en temps qu'on respecte des lois de pays étrangers parce que maintenant il n'y a plus de frontières avec Internet, etc. Donc il faudrait qu'on respecte la loi de la Tunisie, de l'Allemagne, de je ne sais plus quel pays. Donc non, on respecte la loi française. Et en plus, on est un journal papier distribué en France. On n'est pas un journal Internet. On n'est pas un journal gratuit sur Internet. Donc quand on nous dit vous faites de la provocation, vous voulez provoquer Kaboul ou l'Afghanistan, non. On sait très bien qu'on n'a pas de lecteurs là-bas et on ne cherche pas à en avoir.
Alors justement, il y a eu ce problème il y a tout juste 2 mois maintenant, dont on a beaucoup parlé. Je cite encore, alors cette fois-ci le dessinateur Luz, qui disait « Nous avons brisé les 2 tabous que sont Eros et Thanatos, mais il reste celui des religions. » Et j'ajoute à cela la réaction de Gérard Biard, rédacteur en chef, qui dit « Si l'on dit aux religions « Vous êtes intouchables », on est foutu. » Alors, comme on a le droit de critiquer certaines philosophies, certaines positions ou idéologies, on a le droit de faire la même chose avec les religions, finalement. Oui, du point de vue français, en tout cas en France, la justice, je crois, ne considère pas une religion comme quelque chose de sacré. Le sacré n'existe pas du point de vue de la loi, et le blasphème non plus. C'est-à-dire que non seulement le blasphème n'est pas reconnu comme un délit par la loi, mais en plus, moi, en tant qu'athée, et les journalistes et les dessinateurs de Charlie Hebdo en tant qu'athée, ne peuvent pas blasphémer. Il n'y a que les croyants qui peuvent blasphémer. Ça n'a un sens que pour eux. Pour moi, ça n'a absolument aucun sens. Et effectivement, si on peut caricaturer Marx et les idées de Marx, on peut aussi caricaturer le Coran, la Bible et la Torah, et caricaturer les porte-paroles de ces trois religions-là, sans aucun problème. Enfin, normalement, il devrait y avoir aucun problème. Et du point de vue de la loi, il n'y a effectivement aucun problème. Donc, on le fait et on continuera à le faire. Aujourd'hui, les débats les plus vifs, finalement, en comité de rédaction, ça ne porte pas du tout sur la, absolument sur la religion. Pas. Sur quoi ça porte ? Les débats, là où il y a vraiment du conflit de temps en temps, c'est sur la légalisation ou l'interdiction de la prostitution, par exemple. Ça, il y a deux camps tranchés à Charlie. Enfin, il y a toutes les nuances entre les deux camps, mais il y a vraiment deux extrêmes. Et quelquefois, les conférences de rédaction s'énervent, donc pas sur les religions, parce qu'on est à peu près tous d'accord là-dessus, mais sur ce sujet-là, par exemple. Il y en a d'autres ? Oui, il y en a d'autres. Il y en a sur l'écologie, des fois, sur la gratuité, sur la décroissance, Enfin, comme Charlie Hebdo est clairement un journal de gauche, mais avec tous les courants qui peuvent exister à gauche, quelquefois c'est animé. Oui. Charles, j'imagine, et ce sera ma dernière question, que vous lisez beaucoup. Est-ce que vous auriez un livre que vous souhaiteriez faire partager avec ceux qui nous écoutent, ou un auteur ? Plutôt les auteurs, mais ou alors oui, le journal d'une femme de chambre de Mirbeau, je crois que c'est mon bouquin préféré. Et puis après, n'importe quoi de Balzac, parce que c'est l'auteur comique qui me fait le plus rire. Merci beaucoup et bon anniversaire. Merci.